Après s'être rencontrés sur le tournage du film Deep Water, Ben Affleck et Ana de Armas ont décidé de prendre des chemins séparés. Le couple a longuement discuté et s'est séparé d'un commun accord après près d'un an de relation. Il y a encore beaucoup d'amour entre eux. La rupture est aussi amicale que possible, avait confié une source à Page 6 au moment des faits. Si Esti ainsi que l'actrice de 32 ans a décidé de plier bagage et de quitter la maison de Ben Affleck, qui est bouleversée de leur séparation. Visiblement la rupture serait plus éprouvante pour Ben Affleck. Une semaine plus tard, on apprend que l'acteur de 48 ans vit assez mal sa séparation et n'est pas prêt de se mettre de nouveau en couple, selon des confidences d'un proche au Mirror. Ben accepte le fait qu'il ferait mieux d'être célibataire pendant un moment. Il va essayer la vie de célibataire, à moins qu'il n'y ait un miracle et qu'Anna ne revienne demander une seconde chance, rapporte le tabloïd. Ben Affleck a prêté serment de célibat selon les proches de Ben Affleck, l'acteur compte désormais faire de lui-même et ses enfants une priorité dans sa vie, plutôt que ses relations. Ses amis plaisantent sur le fait qu'il a prêté serment de célibat. Reste à savoir s'il peut ou non rester célibataire longtemps, rapporte le Mirror. Une chose est sûre, il peut compter sur ses proches dans ce nouveau célibat, les amis de Ben veulent qu'il prenne une pause dans ses fréquentations, qu'il travaille sur lui-même et qu'il arrête de se précipiter dans les relations, a ajouté une source. Et de conclure, il saute la tête la première dans ses relations très intenses et leur donne tout, mais elles implosent toutes dès que la lune de miel est terminée. De son côté, Ana de Armas a décidé de passer ce nouveau cap sentimental en changeant radicalement de coiffure, ce qui lui va ravir.